étaient partis, qui sont en tout cas venus pour se défendre, qui sont venus pour donner sa médaille. Eh bien, Kofi Yua, Wilfried, et si ces gueux étaient alignés sur les 200 mètres au stade Félix Fouette-Boigny, voici donc le départ de cette course au niveau de Kofi Yua. C'est 200 mètres, Kofi Yua, Wilfried, si ces gueux. Vous allez voir donc cette course très acharnée, très disputée entre Cissé Gueux et Kofi Yua Wilfried. Mais avec un peu plus d'expérience, eh bien, Kofi Yua Wilfried va s'imposer en or dans cette course. Et puis donc la médaille d'argent qui revient au jeune Cissé Gueux. En tout cas, félicitations donc à ces jeunes qui ont montré qu'ils ont de la qualité. Malheureusement, Chambi Chan, lui, est fini. Lui finit à la 7e place. Formidable en tout cas pour ces deux athlètes. Alors Djigba Draman, vous les avez vus, hein, la médaille d'or pour la Côte d'Ivoire, la médaille d'argent pour la Côte d'Ivoire, Kofi Yua Wilfried et Cissé Gueux. C'est une satisfaction pour lui. Et puis la médaille d'argent aux jeunes courageux, la génération montante. Il faut dire que Cissé Gueux n'a que 3 années de préparation dans ses pieds. Eh bien, voilà ce que ça donne. Médaille d'argent. Il en a deux. Oui. Déjà, félicitations à vous, monsieur Cissé Gueux. Demain sera un autre jour pour vous. Certainement, un jour où vous serez en or. Mais aujourd'hui, nous allons respecter la hiérarchie. C'est l'aîné qui reçoit sa médaille d'or des mains du ministre des Sports et des loisirs, François-Albert Amicha, qui en tout cas a touché aux médailles d'or pour les Ivoiriens, parce qu'il y en a deux qui ont obtenu donc